Allô tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode, non pas du tout, une nouvelle série de vidéos avec Globalote. Alors restez connectés pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais vous présenter mes chaînes ça en action dans un tas de bois. Alors, on va voir la capacité de chacune. Éventuellement, ça dépend de beaucoup de facteurs, qui est selon la chaîne, est-ce que la chaîne est usée, est bien affilée, et plein de trucs. Mais en tout cas, je vais vous montrer quand même une vidéo qui vous montre qu'est-ce que ça peut faire. Je vais vous montrer les chaînes de ça en question. Je les ai toutes regroupées, ça va vous donner une idée. Alors, je vous montre ça. Ça va être ma série de vidéos. Ma première, c'est la mienne. Donc, Svarna 41R Injection que j'ai eu gratuitement. La deuxième, c'est une chaîne ça à mon père, une Steel 010 AV. Mon père avait payé ça dans le temps 50$. Et ici, la Redmax Komatsu. De 38cc. Et ici, la Husqvarna 51 air injection. Ce modèle-ci a 50cc. Ce modèle-ci a 38. Celui-ci, aucune idée. 32-33cc à peu près. Et celui-ci, 40. Alors, on va commencer. Vous allez voir les vidéos une semaine, une après l'autre, mais ça va être probablement tourné dans la même journée. Alors c'est parti, on commence ça avec la première qui est la Steel 010 AV. Je vais vous montrer la fin de la petite Steel 010. Je ne sais pas si vous voyez bien, elle n'est pas neuve, mais elle peut encore servir assez bien, si elle est bien affilée. Alors c'est parti. On ajuste ça et on y va. On met ça tout d'abord. Et elle, faut barrer aussi la clenchette à gaz pour la partir. Alors c'est parti. Si vous avez des suggestions vidéo à me demander, soit affiler une chaîne ça, peu importe, n'hésitez pas à le demander. Si vous avez des commentaires, laissez-moi les aussi dans la section commentaires. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de laisser un bon petit like, c'est très apprécié. Et aussi, n'oubliez pas de partager ma vidéo en masse. Et si vous n'êtes déjà pas, considérez vous abonner à ma chaîne. Alors sur ce, portez-vous bien et on se dit dans une prochaine vidéo.